des étoiles, épisode 20, désaccord. Non, non, non et non! Tu n'iras pas boire l'eau de cette mare! Mais enfin, qu'est-ce que ça te coûte de me laisser y accéder en même temps que toi? Écoutez, jeune corbeau, il faut vous rendre à la raison. Regardez-vous et observez votre ami Hydre. Si l'un de vous deux a vraiment besoin d'accéder à un élixir de jouvence, c'est bien elle. Elle est vieille, sa peau se ride, des plis apparaissent sur chaque centimètre carré de sa peau, elle devient encore plus laide qu'à sa naissance. Soyez indulgent. Oui, oui, c'est bon, merci de prendre ma défense, mais la prochaine fois, évite, s'il te plaît. Oh, mais j'insiste, c'est vraiment important que vous ayez accès à ce que vous méritez. Vous avez vécu longtemps et votre apparence se dégrade depuis déjà quelques années. Vous devez saisir cette opportunité. Tant pis, ton heure est venue, le corbeau. Ou pas, on peut trouver un terrain d'entente. Non, le plus simple, c'est de manger ce corbeau. Taisez-vous. Oh tiens, tiens, tu as un problème de personnalité. Tu vas regretter de t'être moqué de moi, corbeau. Pour avoir vu toutes les constellations, tu surveilles vraiment les plus drôles. Oui, au début j'avais quelques réserves sur ce groupe. Maintenant je m'ennuie plus. Tiens, il y a de la tension autour du triangle. Je vais aller voir, je préférais ne pas rater ça. Oh, le groupe de l'aide Les Percés s'agrandit. Ils doivent préparer une rébellion. Donc on est tous d'accord. Ce que fait la Grande Ourse est inadmissible. Ouais, et c'est pas cool. Il faut qu'on organise une rébellion. On va tout faire péter. Il nous faut une stratégie. En effet, je propose que nous attaquions par groupe avec différents angles. C'est une bonne stratégie, mais je serais plus d'avis que nous attaquions à distance. Elle a l'air très puissante au contact. Peut-être, mais notre nombre pourrait la submerger. Quand personne n'est d'accord sur la stratégie adoptée, ça part généralement mal. Espérons quand même que ça ne va pas dégénérer. Hé, mais qu'est-ce que Arcas fait là? Mais non, il nous faut une diversion. Attendez! Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Une espionne! Faites-la passer par-dessus bord! Quel bord? Mais on n'a pas de bateau. Comment ça, un bateau? Non, non! Ne me faites rien! Je viens vous aider! C'est bien ce que dirait une espionne. Mais vous ne comprenez pas. Elle a complètement oublié que tout ce que l'on voulait, c'est de redevenir humain. Ouais, gardons-la à l'œil. Et du coup, on fait quoi? On pourrait peut-être essayer de discuter. Une approche pacifique. Ça ne fonctionnera jamais. Ça devient vraiment n'importe quoi. On devrait intervenir. Non, attendez. C'est le moment le plus intéressant de cette expérience. Mais aussi le plus dangereux. S'il vous plaît. À l'attaque ! On y va ! À l'abordage ! À demain pour... Conflit. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.